Le fossa est un mammifère carnivore endémique de Madagascar. Le fossa est un grand carnivore qui a l'aspect d'un petit pluma dont il arbore la toison brun roussâtre. La queue est aussi longue que le corps. La tête ronde aux oreilles arrondies et aux yeux ronds ressemble à celle d'un félin, et le museau est équipé de vibrisses aussi longues que la tête. Ses pattes courtes et trapues sont munies de 5 griffes rétractiles. L'animal est plantigrade au contraire des félins qui sont digitigrades. Le fossa est le plus grand prédateur de l'île de Madagascar. Il peut monter dans les arbres et en redescendre facilement. Il saute et s'agrippe bien, grâce à ses griffes. Quand les fossas sont adultes, ils peuvent mesurer de 70 cm à 90 cm et peser de 6 à 9 kg. Le fossa peut chasser pendant le jour ou pendant la nuit. Il mange des primates et vole des poules dans les fermes. À cause de cela, il est chassé par les hommes et disparaît de plus en plus. Le fossa n'est pas un félin, puisqu'il est plantigrade, c'est-à-dire qu'il marche sur la plante des pieds. Les vrais félins marchent sur les doigts, digitigrades. Nous, les humains, sommes plantigrades, comme l'ours. Le fossa vit exclusivement sur l'île de Madagascar et fréquente aussi bien les forêts sèches qu'humides et les massifs montagneux jusqu'à 2000 mètres. Il semble qu'il soit plus fréquent dans la forêt de Kirindi où la densité est d'un individu pour 4 km². Le fossa est actif de jour et de nuit. Son activité catémérale alterne de façon aléatoire les phases de recherche de nourriture et de repos. Son comportement est assez mal connu, mais excepté les femelles accompagnées de leurs petits, les mâles ont été vus seuls. Ce qui laisse à supposer que c'est un animal solitaire bien qu'une observation relate une coopération entre 3 fossas lors d'une chasse au Sifaka. L'animal communique à l'aide de vocalisations diverses, et probablement aussi par le biais de postures spécifiques, mais ceci n'est pas établi avec certitude. La période de reproduction a généralement lieu durant les mois de septembre et d'octobre. La femelle peut s'accoupler avec plusieurs mâles. La gestation dure 3 mois et avant de mettre bas, la femelle fossa cherche un abri dans un terrier, une termitière vide ou une anfractuosité rocheuse. Elle y donnera naissance de 1 à 6 petits qui naissent aveugles. Ceux-ci ouvrent les yeux au bout de 2 semaines. Ils commencent à ingérer des aliments solides vers 3 mois et s'enhardissent à quitter la tanière entre 4 et 5 mois. Cette période correspond au sevrage. Ils sont indépendants à 1 an mais n'acquièrent leur dent définitive qu'entre 18 et 20 mois. Ils sont physiquement matures au bout de 2 ans, mais leur développement sexuel n'intervient qu'un an ou 2 plus tard. Les organes reproducteurs du fossa présentent des similarités avec ceux des hyènes et des félins tout en étant spécifiques. Long et épineux, sexe du mâle, tandis que la femelle, comme les hyènes, a un clitoris de taille considérable. Mâle et femelle se retrouvent brièvement pendant la période de reproduction. La femelle se poste dans un arbre puis émet des appels pour attirer les mâles venus la courtiser. Elle donnera naissance à 2 à 4 petits dans une tanière dont ils ne sortiront pas avant d'avoir fini leur développement au bout de 4 mois. Le fossa est l'un des 8 carnivores endémiques de Madagascar. Opportuniste, il chasse des proies de taille petite à moyenne. Il est le plus grand mammifère terrestre actuel endémique de l'île et le seul prédateur capable de s'en prendre aux adultes de toutes les espèces de lémuriens existantes. La plus grande pouvant peser jusqu'à 90% du poids d'un fossa de taille moyenne. Bien qu'il soit le principal prédateur des lémuriens, les relevés de ses habitudes alimentaires révèlent une grande variété de sélectivité de proie entre les individus et une spécialisation en fonction de l'habitat et de la saison. Le régime alimentaire ne varie pas selon le sexe. Par exemple, alors que le fossa est spécialisé dans la chasse de lémuriens dans le parc national de Ranomafana, son régime alimentaire est plus variable dans les autres habitats des forêts humides. Le fossa capture ses proies au sol ou dans les arbres. S'il chasse seul en dehors de la période de reproduction, les partenaires d'un couple, ou plus tard les mères et leurs jeunes peuvent chasser ensemble lors de la saison reproductrice. Un fossa du groupe escalade un arbre et déniche des lémuriens qu'il poursuit d'arbre en arbre, les forçant à descendre vers le sol où les autres fossas peuvent facilement les capturer. Le fossa éviscère les plus gros lémuriens qu'il capture, ce qui, avec ses excréments caractéristiques, permet d'identifier ses proies. Les observations sur le long terme des modes de prédation du fossa sur les propithèques de la forêt tropicale suggèrent que l'animal chasse dans une parcelle de son territoire jusqu'à ce que la densité de proie y diminue et qu'il lui faille se déplacer. Le fossa peut parfois s'attaquer aux animaux domestiques, comme les chèvres et les petits veaux, et surtout aux poules. En captivité, le fossa consomme entre 800 et 1000 grammes de viande par jour, des amphibiens, oiseaux, insectes, reptiles et petits ou moyens mammifères. Le fossa est classé comme vulnérable car ses effectifs sont en régression. L'espèce est totalement dépendante de la forêt qui disparaît comme peau de chagrin à Madagascar. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.